Sénégal, bonjour, up telo. Voilà ce qu'il a de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire sortie de force de son véhicule. La police s'acharne sur Ousmane Sonko. S'acharner sur Ousmane Sonko au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien, sans contour ni détour de révéler, violence inouïe contre le leader de Pastef les Patriotes, comprenez l'adepte du Bourok ou encore le Kadianoumane du landerneau politique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Wolf quotidien informe, extrait de force de son véhicule, la vitre brisée par la police. Attitude pas du tout policée. Alors là, pas du tout policée. D'après Wolf quotidien qui ajoute, gazé devant son domicile l'après-midi, Ousmane Sonko l'a été. D'où la sortie au vitriol de son avocat, Maître Siré Clédor Lee, à savoir, nous allons tout droit vers des crimes diables. Bon, l'info quotidien pour l'instant relate les faits, à savoir Sonko violenté et séquestré chez lui. Lui, c'est Ousmane Sonko, qui intéresse à plus d'un titre Réumi quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit, la vitre de son véhicule cassée, interdiction de sortie de chez lui, Ousmane Sonko en résidence surveillée. Donc, surveillé comme du lait sur le feu, Ousmane Sonko l'est. Au regard de ce que révèle Réumi quotidien ce matin, le quotidien, sans contour ni détour d'afficher, affaire Mambaynian Sonko sur un champ de gaz. Donc, mettre les pleins gaz autour de la folle journée d'hier. Voilà ce que fait le quotidien. Histoire de nous renseigner, Sonko cueilli dans sa voiture et déposé chez lui. Lui, c'est le leader de Pastef les Patriotes. Comprenez le Kadianoumane du landerneau politique sénégalais qui, d'après le quotidien, a tenu à dire à haute et intelligible voix, on s'approche dangereusement de la ligne rouge. Mais le carton rouge dans cette histoire a été infligé par Abdoulaye Sédousso au leader de Pastef les Patriotes, Sawaï. Monsieur le ministre et maire de Kaffrine n'a pas usé de la langue de bois avant de confier, d'après le quotidien, nous devons être dans des postures de combat. À propos justement de combat, il y a enquête quotidienne qui relève procès 29 milliards du Prodac, une première électrique, en tout cas de l'électricité dans l'air. Voilà ce que relève également Libération ce matin. Le journal de renseigner, la police casse la vitre de sa voiture avant de le déposer chez lui après le renvoi de son procès. Sonko embarqué de force par la bipu gazée. Action réaction. Tribune quotidien affiche le punk l'imam Kourbaïfa, le ngandimam Mbol de Mourid, pour ne pas dire le tui, voir le Kiroufas. Signé Bougadier, il a dit, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Sawaï, le leader de Gamsabop. Comprenez Bougadier, il a dit de dire à haute et intelligible voix, dans le tribune quotidien, Macky Sall a décrété la fin de la démocratie au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons les arguments cartésiens. Signé Bougadier, il a dit, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gamsabop. Dans le tribune quotidien, à savoir, le départ de Macky Sall est impératif. Le Sénégal va mal. L'on cherche le remède. Que retenir d'autre du Nyangle, signé Boukad Gaydani dans le tribune quotidien contre Gorou Adjara Toumareb Faisal. Sinon, ce qu'il a tenu à dire, à savoir, mais ce ne sera certainement pas sous le régime de ce président casseur d'une démocratie à recoller. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que selon Boukad Gaydani dans le tribune quotidien, Louis Jotne ou encore Tchakhan Fakhe. En tout cas, Bougan Gaydani bande les muscles, Sawaï, le leader de Gamsabop, dans le mandat quotidien, de déclarer à l'image de cette vitre de Sonko, Macky Sall a brisé la démocratie au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons le crachat, pour ne pas dire le pavé dans la mare ou encore le coup de pied dans la fourmilière, signé Bougan Gaydani, président incontesté et incontestable de la philosophie Gamsabop, dans l'évidence quotidienne, à savoir, à l'image de cette vitre de la voiture de Sonko, Macky Sall a brisé la démocratie au Sénégal. Que retenir d'autre? Sinon, le Mbol de Mourid, le Kourbaïfal, signé toujours l'incontesté et incontestable Bougan Gaydani, cette fois dans l'Indépendant. Et là, le journal de renseigner, Bougan Gaydani dénonce le traitement infligé à Sonko. En quoi faisant? C'est un gangstérisme. C'est un gangstérisme d'État. Rien d'autre qu'un kidnapping. Macky Sall a touché le fond. Bon, à fond la caisse avec Tribune quotidien qui, au chapitre
de l'implication des jeunes dans les manifestations politiques veut savoir, histoire de faire savoir s'il est question de chair à canon ou de désir d'un meilleur avenir. Et pour éviter d'insulter l'avenir, il y a l'observateur Lops, le journal révélé Sonko Mamba Nyang, toute l'enquête de la digue sur l'affaire. Que dire sinon, la réquisition de la police et les réponses de l'inspection générale des finances sur le rapport par rapport à la journée d'hier. L'As quotidien sans contour ni détour de révéler les forces de l'ordre dictent leur loi. Donc c'est peut-être au nom de la loi que les Al-Kati et autres sandarmas ont maintenu l'ordre public, d'après l'As quotidien ce matin. Lis quotidien à ce sujet semble rappeler que force doit rester à la loi. En tout cas, débordement du procès Mamba Nyang, Ousmane Sonko, les forces de défense et de sécurité s'imposent. Voilà le titre qui barre la une de Lis quotidien ce matin, le quotidien Le Peuple, pour ceux qui relèvent du nouveau renvoi du procès Sonko Mamba Nyang, de révéler le Gatsa Gatsa vire à la livraison à domicile. Et pendant ce temps, Tribune quotidien de nous renseigner assoiffé par une facture d'électricité de plus de 3 millions de francs CFA. 45 villages situés entre Pire et Shérif l'ont soulagé grâce à Yang Simbeng. Ainsi, les 45 villages en question n'ont pas du tout manqué de dire Wagorwai à Yang Simbeng pour avoir étanché leur soif. Informe Tribune quotidien ce matin. Le journal dans ses colonnes de renseigner, c'est grâce à Yang Simbeng que l'eau coule à nouveau dans 45 villages du Tundu Kali Amarfal. Ces derniers sont restés très longtemps, assoiffés par une facture Sénélec impayée de plus de 3 millions de francs CFA. Renseigne Tribune par voie. De conséquence, ces 45 villages à cheval entre les communes de Tivawad, Pire et Shérif Lo, qui ont vu le forage de Ndindi Bal mis à l'arrêt depuis 4 mois pour des impayés de plus de 3 millions de francs CFA, vont sans conteste pousser un ouf de soulagement grâce à Yang Simbeng. Explique Tribune ce matin, Direct News s'arrête sur le magal de Kazou Raja. Pourquoi faire? Pour nous dire que les mourides se souviennent aujourd'hui de Alhaji Fallou Maké, Borom Dindi. Information que nous livre également le quotidien Le Peuple. À la une du journal, on peut lire commémoration de la naissance du deuxième calife des mourides, Seigne Fallou Maké, une beauté du Rajab. En attendant, terminons avec Wolf quotidien, le journal de renseigner. De plus en plus de filles se saoulent, et là c'est l'alcool qui se féminise. En attendant de savoir si cela ne concernerait que les 2% de la population, selon Mamma Targé Diabra, mais